Salut tout le monde, c'est Kira, on est de retour sur Ape Out, le jeu qu'on a découvert ensemble ce week-end. Un jeu bien défoulant comme il faut et je me suis dit qu'on allait refaire une vidéo pour avancer dans les levels. La dernière fois, on avait fait le premier disque, maintenant on va attaquer le disque numéro 2 qui va certainement nous amener à des endroits encore un peu plus compliqués, un peu plus infranchissables, un peu plus de rage. Alors sur la pochette du disque, il y avait des immeubles. Donc je suppose que cette fois-ci, on n'est plus dans un laboratoire, mais on est dans un immeuble. On est dans un immeuble, d'accord. Ah oui, donc on va pouvoir projeter. Ah ouais, on va pouvoir projeter les personnes en fait à l'extérieur du bâtiment. Oh, c'est trop bien ça. Eh, tu veux mourir ou pas? Est-ce que t'as envie de mourir? Dis-moi comment sortir de là, immédiatement. Tu parles pas? Adieu. C'est tellement jouissif. Allez, on y va. Ouais, donc on va être uniquement dans un immeuble. Et on va devoir profiter de ce nouveau type de gameplay. On va pouvoir balancer les mecs hors de la... Bah, hors de l'immeuble, tout simplement. Alors, la vitre est gigantesque. Putain, c'est quoi ces immeubles? Incroyable. Salut. Il y a l'air d'avoir du monde. Je vais essayer de jouer lentement, mais sûrement. Parce que j'ai pas envie de mourir dès le début, ce serait dommage. Alors là, il y a énormément de monde, j'ai l'impression. Et c'est des zones assez grandes. Ah, quoique. Non, on a quand même pas mal de murs, en fait. Salut. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Non. En vrai, est-ce que je vais vraiment profiter du vide? Moi, je suis juste un psychopathe en fait. J'ai juste envie de les balancer dans le vide. Ça me fait plaisir en fait. Voilà. Sur la route. Oh merde, on vient de me toucher là? On vient de me toucher. Non? Ah, j'ai cru qu'on m'avait touché. J'ai cru. Ah, et donc il y a aussi des vitres de l'autre côté. Ben oui, puisque l'immeuble est carré. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il se barre? Ça, c'est la première fois qu'un des personnages se casse en fait. Après, là, vu qu'on est dans un bureau, ouais, c'est un peu plus logique parce que dans le laboratoire, les mecs étaient entraînés quoi. C'était des soldats pour protéger le laboratoire. Là, on est juste dans des bureaux. Donc, je pense que toutes les personnes qu'on va croiser ne sont pas forcément des gardes. Ça peut être aussi. Ah, de simples personnes. Oh là là. Ah, mais en fait, c'est chiant parce qu'ils ont. En fait, ceux qui se barrent ont quand même une arme. Ah oui, j'avais pas vu en fait. Mais si, ils ont un petit pistolet. Mais en fait, ils sont chiants à se barrer. Ils sont très chiants. Salut. Hop. J'ai vu une personne juste ici. Yes. Alors là, maintenant, on va de droite à gauche en fait. Ça change. On descend les étages au fur et à mesure. Et le but, c'est d'aller d'aller tout en bas. Mais pourquoi enfermer un gorille dans un immeuble? Là on est à l'étage. Oh putain, lui il est solide. On est à l'étage 28. Il était pas mort lui. Ou alors c'était pas la même personne. Ouais, je disais on est à l'étage 28. Mais attendez, on va devoir descendre 28 étages. Ça me semble un peu long, même si les étages sont assez rapides. Au début, je croyais qu'il y avait écrit erreur 28 en fait, mais non, c'est floure, donc étage. Ah, il a mis du temps lui à atterrir sur le sol. Salut, tu vas mourir. Oh, on continue. On peut rusher, hein. Là, il y a moyen vraiment de rusher, on n'est pas obligé de tuer tout le monde. Et donc, on est au niveau 2. D'accord, donc on continue à descendre des étages. Ah oui, donc là, on en descend beaucoup plus. Nous sommes au niveau 2. Oh, oh, trop bien. Ah, du coup, là, on a des mitraillettes. Oh, trop bien. Enfin, ils ont des mitraillettes et on utilise les personnages. Ah, mais c'est un carnage. Ah, c'est hyper puissant. Ah, et donc, eux, il faut pas hésiter à les attraper. Hein. Toi, meurs. Salut. Ah, ouais. Attends, on peut faire un carnage avec. Tiens. Hop. Voilà. Il y a personne, hein. Ça tombe, j'en tue, je suis pas au courant, je vois pas, je fais pas attention. Yes. Étage 24. On avance, hein, petit à petit. Eh, reviens, toi. Ah. Oula, c'est dangereux, là. C'est dangereux. Nous sommes encore en vie. Tout va bien. Et là, il n'y a pas de passage, du coup, on est obligé de descendre. J'entends des pas, là, pas loin. Oh, salut, toi. Tiens. Il met du temps à mourir, quand même, hein. Tiens. On a plus rien. On saigne. Étage 23. Je sais pas si je vais réussir du premier coup ce level 2. Ça me semble assez compliqué. Ah,
je l'ai. Ah par contre c'est hyper efficace contre les petits personnages qui ont pas d'armure. Contre ceux qui ont des armures c'est un peu plus compliqué parce qu'on met du temps à les tuer. Tiens, 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 tiens. Derrière. Ah mais on s'en sert vraiment comme, comme mitraillette quoi, c'est juste... c'est juste impensable. Y'a quelqu'un là encore? On s'en fout. On s'en fout. On descend. On est au troisième level. Je pensais pas réussir le... les deux levels là du premier coup. Le feu du ciel. Ah oh putain, il y a des snipers. Oh mon dieu. Il y a plein de flics en bas d'ailleurs qui vont certainement me choper quand je vais descendre. Ah mais il y a des snipers en fait, des... Mais ils sortent d'où les snipers? Ils sont dans un autre immeuble? Je pense qu'ils sont en face dans un autre immeuble. Ah mais c'est chaud là. Non mais c'est pas possible, ils sont pas dans un autre immeuble, c'est impossible. Si? Ah si? Oh! Oh si si, ils sont dans un autre immeuble. Du coup contre eux il faut juste courir et se cacher derrière les murs. Oh! Étage numéro 20. Alors il nous reste encore pas mal d'étages hein. Encore beaucoup 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 d'étages. Salut. Allez, va rejoindre tes potes. Oh! Ah, c'est bon, on est passé. C'est hyper... Ah, c'est bon, il m'a pas eu. Ah mais du coup avec le sniper c'est vraiment chiant. Parce que du coup t'as pas le temps de... T'as pas le temps de prendre ton temps. T'as pas le temps de prendre ton temps. Ouais, bizarre. Bizarre ce que je viens de dire. Donc c'est que tu peux pas... Voilà, en fait t'as pas la possibilité de profiter des... bah des mitrailleuses. Et de prendre ton temps. Oh, on était presque... Ah, c'est dommage, j'avais bientôt fini le level 3. Ok, encore un étage et on aura fini le level 3. On va passer par là. Je vais... Ah, attention. Oh, on peut vraiment rush en fait, hein, ces levels. On peut les rush. Et c'est le level 4. Over it. Over it. Le grand saut. Ah. Ah oui, donc en fait, on va pas descendre toutes les étages, on va juste sauter, c'est ça? Oh, ça va être excellent. Il y a une possibilité sur ce level de... Je sais pas si on peut parler de speedrun, mais il y a une possibilité de finir les levels tellement rapidement. Alors du coup là, on peut pas continuer, on peut pas descendre. Bah je saute du coup. Non? Ah, c'est pas ce qu'il fallait faire? Oh non, il fallait... Pourquoi j'ai pas fait le tour de la salle avant de sauter bêtement dans le vide? Mais moi je sais pas moi, oh là là. En fait on va descendre... De... Ouais d'accord, on va grappiller pas mal d'étages en fait en sautant. Donc on va pas faire tous les étages. Tu m'as pas eu. Hop, salut. Donc là il faut aller là-bas en bas. Ça a changé, ok. Ah il a quand même réussi à me tirer dessus. Oh mon dieu. Ok. Il faut absolument des protections parce que le sniper il peut nous tuer à tout moment. Eh hey. Oh. 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 Regardez son corps comment il bouge. Oh. C'est bon, on est passé. Pas terminé mais on est passé. Ah oui, donc là cette fois-ci on est dans un immeuble en construction. On a totalement changé de décor. Salut. Je sais pas où il faut aller là par contre. Ah, par ici. Étage numéro 16. Ah bah non mais du coup en fait on est... Oh non il y a des... Oh non j'aime pas ceux-là, ceux qui balancent de la TNT. On a pas vraiment descendu d'étage en fait. Hop, tu me rappelles pas. Ah, c'est eux, c'était eux les snipers. Oh, il a réussi à me toucher. Donc là, on est sur l'immeuble où il y avait les snipers. Oh non, dommage. Dommage, il me restait quoi? Il me restait rien du tout, j'ai honte. C'est le rush, c'est le speedrun. Oh là là, j'ai tellement eu la rage de perdre alors qu'on était à deux doigts de finir ce putain de level. Oh, c'est le rush. C'est le rush. Ça c'est un coup à perdre mais c'est pas grave. Hop. Il m'a pas eu. Oh tête, tu m'as pas eu. Salut toi. Tiens. Ah on peut tirer qu'une balle avec le sniper forcément. Et c'est... Voilà. Ah du coup on a terminé le disque 2 vous pensez? Non. Ah non, fin de la... du côté A. Ah oui c'est vrai qu'il y a deux côtés sur un CD. Mais oui mais en plus on l'avait fait la dernière fois. Il y avait deux côtés dans le disque A. Dans le disque 1, excusez-moi. Donc là maintenant on passe au côté B. Donc on a la moitié des étages quoi. On n'a pas encore terminé hein. Donc il reste encore 5, 6, 7, 8 du coup. Jungle de béton. Oh my. Non mais là il y a trop de monde. Non mais il y a trop de monde là. Attendez mais j'étais pas prêt.
J'étais pas prêt. Ok, donc là c'est de gauche à droite jusqu'au bout. Très bien. Il y avait tellement de monde. Ah mais là j'essaie de rush et je pense pas que ce soit la bonne idée. Ah bah non, ensuite on fait droite-gauche. Ah bah non, c'est toujours la même chose en fait, c'est gauche-droite, droite-gauche. On est encore dans l'immeuble là. Ah, je fais n'importe quoi. Attends, il faut que je me concentre là. Faut que j'arrête les conneries. Faut que je me concentre un minimum. Allez, on y va. Hop. Toi, on t'expose. Toi, je vais prendre ton corps. Non, bah je peux pas parce que tu cours. Toi, je prends ton corps. Ah, ah là là là. Ok, on va passer. Yes. Très bien. Étage numéro 13. On a chopé le petit. C'est rare qu'on chope le petit. Oh, on a chopé le petit. Là, il y a un sniper par loin. Faudra se rapprocher de ce côté-là. Yes. On peut y aller là, je pense. Voilà. Étage numéro 12. Yep. Oh, c'était l'étage le plus rapide qu'on ait jamais fait de notre vie. On n'a jamais été aussi rapide. Non mais sur ces levels il y a une possibilité. Ah, on a terminé le level, c'est bon. C'est bon, je ne suis pas mort. Circle back. On se revoit. Salut. Ah, il commence à y avoir des passages qu'il faut suivre, on peut pas trop passer n'importe où. On tombe sur des cul-de-sac quelquefois. On est à l'étage numéro 9. On est bientôt à la fin, hein. Ça va vite, ça speedrun. Oh, comment je fais? Ah, il faut arracher ça? Non. Qu'est-ce que je dois faire? On a autre chose à prendre? Une planche? C'est juste pas par là, il faut aller, non? Je peux pas choper les planches? Faut casser ça, non? Non, je peux pas passer par là. Il doit y avoir un autre passage, en fait. Où est-ce que je dois passer? Bon, on va faire tout le tour, on verra bien. Attends, je comprends pas, là. Ou alors je dois choper quelqu'un pour le balancer contre la planche. Ah, mais là j'ai tué tout le monde. Ah d'accord, ok, on passe à un autre immeuble. Exactement comme tout à l'heure. Boum. Allez, venez. Comment on l'utilise lui? On utilise son corps. Bah alors qu'est-ce que tu vas faire? Tiens. Écrasé par le... par le balèze. C'est par là qu'il faut aller. Pas bien de mettre des mecs directement là devant nous. Hop. On chopait tellement personne au premier épisode. On n'avait pas vraiment compris le concept. Oh toi. Mourez. Oh non. C'était quoi? C'était un sniper? Alors c'est dommage qu'on ait pas la possibilité de choper du mobilier dans le jeu. On peut pas choper de chaises, ni de poubelles, de bureaux, de... Ça aurait été vachement cool en fait, ça aurait rajouté du gameplay. Après ça aurait peut-être facilité le jeu. Parce que il y a quand même pas mal d'objets dans les levels. Et du coup il aurait fallu repenser le jeu hein, entièrement. Mais voilà, j'aurais bien aimé plus de possibilités. Oh, et on a terminé le level, excellent. Level 7, allez encore deux levels et on arrive en bas. Et après on fout le bordel et on détruit les voitures. Voilà. C'est clairement un remake de King Kong là qu'on est en train de faire. Bon, King Kong il est beaucoup plus grand mais vous m'avez compris. Ah, allez, étage 5. Continue, on fonce. Oh là là, salut. Ah là c'est chaud, là c'est très chaud. Oh, t'as tué ton pote, merci. Merci, tu viens de me sauver la vie. Tu viens de littéralement de me sauver la vie. Alors là par contre, il y a vraiment beaucoup de monde hein. Ah non mais là, attendez, il faut se concentrer. On est sur les derniers levels, c'est tout à fait normal que ce soit un peu plus compliqué. Allez. Allez, yes, c'est oui. Et c'est le dernier level, du coup, down and out. On y va. Bon, on va arriver en bas, je suppose, la rez-de-chaussée, yes, on est au rez-de-chaussée. Donc on va certainement devoir tout péter et retourner les voitures de flics. Ça va être un plaisir. Hop. Ah non, il faut... Attendez, on n'était pas au rez-de-chaussée là? Hein? Étage 1. Ah non, on n'y était pas encore. On n'y était pas encore. Oh. Ah. Non. Non. Hop. Viens là toi. Là on est au rez-de-chaussée. Yes.
Y a moyen que là ce soit compliqué puisque c'est le dernier level. Il fallait faire quoi là du coup? Ah, il fallait juste tout à droite? Ah ouais, d'accord, ok. On va essayer d'y aller tout doucement parce qu'il y a beaucoup de policiers. Et on va, voilà, on va choper les corps. Là, il faut en profiter. Hein. Voilà, il faut prendre des otages et avancer tout doucement. Tout doucement. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de se cacher. Eh, toi là. Oh non, quelle erreur. Ah, mais là, j'ai plus de corps. Ah, je peux prendre les citoyens, trop bien. J'ai un otage. Laissez-moi passer. Alors, est-ce que ça va marcher à votre avis? Ah, mais ils en ont rien à foutre en fait. Genre, c'est même pas. Ils en ont rien à branler. Ils en ont strictement rien à branler. Ah, ah merde, il peut tirer à travers les. On a terminé ou pas? Et on a terminé. Yes. Ah bah ça, à la fin, était plutôt facile finalement. C'était pas si long. Et bah voilà pour l'album numéro 2 qu'on vient de terminer ensemble. On a fait le disque A, disque B. Enfin, face A, face B plutôt. Fin de l'album numéro 2. Et bah c'était super plaisant. Encore une fois, le gameplay est totalement différent de, du premier disque, du premier album. On a eu de nouveaux personnages, on a eu les snipers, on a eu... Il n'y avait pas de mitraillette aussi, je crois, dans le premier album. On a eu la possibilité de balancer les gens par les fenêtres. C'était trop sympa. Cette fois-ci, on avait un niveau qui allait d'en haut jusqu'en bas. Alors que c'était pas pareil pour le labo. Le labo, c'était toujours de gauche à droite. Et voilà. Bah écoutez, je vous propose de faire le disque 3 la prochaine fois. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Moi, je kiffe ce jeu, donc je vais essayer de le terminer. Je pense qu'en tout, il y a 4 albums, logiquement. En tout cas, là, ça a l'air d'être placé comme ça. Je pense que là, il y aura encore un 4ème album et ce sera terminé. Voilà. Il y a un mode difficile qu'on fera pas. Hein. Voilà, déjà que je galère un peu en mode normal, on va éviter. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ape Out. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, les partages comme d'habitude. Et bien entendu... si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais je pense que bon, il n'y a pas trop de conseils à donner sur le jeu en soi. Il y a peut-être quelques erreurs que je fais, mais ça va encore. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut.